Bonjour tout le monde et re-bienvenue dans la suite de Far Sky. Re-bienvenue dans notre petite base, tranquillement. Enfin notre petite histoire de dire quoi. Elle est quand même relativement grande, ça va. Bon, on n'a pas fini la pièce. La dernière fois, souvenez-vous, on s'était arrêté juste ici. Voilà. En tout cas, je vois que la série vous plaît, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas, comme d'hab, à bombarder la barre de like, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas toujours le petit lien G2A pour acheter vos jeux moins chers. Et puis, et on va partir à la pêche, je crois. Ah, je crois qu'on va partir à la pêche. Avant de partir à la pêche, ce que je voudrais bien faire des trucs comme ça. Voilà, on va en faire quelques-unes. J'ai 7 glaces. Ah, j'en ai pas beaucoup, quoi. On va continuer notre petit bonhomme de chemin, tranquillement, pour la salle, ici. Voilà, normalement, putain, on a presque fait le tour, quoi. Il nous manquera quelques glaces, tranquillement, et puis ce sera fait. Donc, les gens, aujourd'hui, encore une fois, on va avancer dans le jeu. On a le choix de l'objectif, j'ai envie de dire. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est soit d'aller réparer l'autre base à côté... pour pouvoir nous faire un point, pour reprendre notre souffle et tout ça. Oh, les petits dauphins, c'est plutôt joli. Ou soit, descendre encore plus en profondeur et puis attaquer les grosses pieuvres géantes et tout. Faut voir. Par contre, je sais pas si on est assez stuffé, quoi. Est-ce qu'on a du copper? Normalement, j'ai du copper là-dedans. On n'a plus de copper. Ok. On va refaire des flèches comme ça. On va en faire quelques-unes. Voilà, ce sera parfait. 13, c'est impeccable. Le coffre ici, il est plein. La pierre, franchement... la pierre, je crois que je vais tout effacer. J'ai l'impression que ça sert à rien. Voilà, impeccable. J'ai un petit peu réorganisé l'inventaire. Je trouve qu'on y voit déjà beaucoup plus clair comme ça. Donc là, c'est parfait. Et faut retourner aux ressources et tout. C'est un truc de fou, quoi. Faut tout le temps aller aux ressources. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les extracteurs qui sont aux alentours. Bon, bah là, c'est même plus la peine. Celui-là, il donne que de la pierre. 100% rock. Il sert plus à rien. Vous voyez, en fait, les extracteurs, ça prend vraiment les ressources. Hein. En fait, vous voyez, quand ça brille ici, ça veut dire qu'il y a encore de la ferraille. Quand ça brille plus, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Ici, qu'est-ce que ça nous a fait? Encore un peu d'iron. On prend. Ah, ici, il en a peut-être pris pas mal, je pense. Ouais, yes, ici il en a pris pas mal. Franchement, au niveau de l'iron, on s'est mis super bien là. Ah bah là, c'est nickel, on est blindé. On va retourner à la base, on va aller poser ça. Je vais prendre 2-3 bouts de poisson aussi, parce que ça, c'est quand même pas mal. Voilà, putain, il est où le requin? Voilà, impeccable. Je pense qu'on va tenter de se refaire un petit coffre, s'il y a moyen. Ah, il nous faut du copper, on n'a pas assez de copper. Va falloir que j'aille en rechercher. Ah, et regardez ça là-haut là. On va pouvoir replanter des patates tranquillement. Ça, ça va être cool. On va s'occuper de ça un petit peu. Voilà, on va en mettre un petit peu partout, comme ça. Et puis, je crois que là-haut aussi. Hein. Là-haut, à mon avis, ça a dû pousser, non? Ah ben non, j'ai rien planté, forcément. Voilà, on va en planter un petit peu. Voilà, impeccable. Yes. Ici, crac. Voilà, on fait ça comme ça. Bon, les gens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher du copper. Je vais aller retourner à mon extracteur là-bas. Normalement, je l'avais mis quelque part. Ouais, je l'ai mis là. Yes. Putain, il y a un requin là-bas. Ça va être chaud, ça va être chaud. Je vais prendre mon truc quand même au cas où. Oh putain. Merde, je me casse. Ce serait bien aussi qu'on répare la base là. Un petit peu. Ah, j'aurais dû ramener de l'iron avec moi. Putain, j'ai fait le con quoi. Attends, j'en ai pas? Ben non, j'en ai pas. Voilà, normalement ici, il y a un peu de copper. Ouais, il y en a même pas mal. Ça va, c'est cool. Bon, maintenant, ici, il va plus prendre de copper, hein, je pense. Je vais ramasser un peu d'iron. On va tenter de réparer un petit peu ici. Voilà, impeccable. Je pense que j'en aurai assez, pour le coup. On va tenter de réparer un petit peu, colmater les fuites ici, là. Alors, attends, le truc, c'est qu'il faut les trouver, quoi. Faut vraiment les trouver. Je pense que ça se passe plus bas, quoi. Ça va se passer par ici. Ouh, il y a un coffre. Ouh, putain, je prends ici, ouais. Ah, mais regardez, il y a moyen... Il y a vraiment moyen de faire un truc bien dans cette base, là, de la réparer et tout. Hein. Ça, ça peut vraiment être cool, quoi. Il y a pas une fuite à colmater par là? Ah, regardez ça. Il y a une fuite ici, là. Tac. Réparer. Yes. Normalement, ça va refaire baisser un petit peu le niveau de l'eau. Il y en a une là-bas. Yes. Ça refait encore baisser le niveau de l'eau. Je pense qu'on a colmaté toutes les fuites. Oh, yes, regardez ça. Là, le niveau, il est vraiment descendu. Hein. Oh, 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 oh. Oh, c'est quoi ça? Putain, merde, j'ai faim. Attends, on va manger un petit bout. Qu'est-ce qui est cuit là-dedans? Bah, tout est cuit, de toute façon. Voilà, ça, c'est cuit. Et bah là, franchement, on a une bonne petite base d'appoint. Donc ça, c'est plutôt carrément cool, quoi. Attends, j'en suis au copper et tout, ouais, nickel. Ici, on va reboucher tranquillement, voilà. Ça me plaît pas trop comme ça. Je vais vraiment tenter de tout remodéliser ici, là. Je vais faire un peu de ménage. Oh, il y a un coffre ici. Celui-là, bah attends, on va le prendre. Voilà, ici... Pareil, on va le prendre. Ici, je vais faire... Voilà, on va faire un truc comme ça. Ça, ok. Et ça, ok. C'est nickel. Voilà, on va se faire la petite salle de craft ici. Ça va être tranquille comme ça. On va même poser 2-3 coffres comme ça. Voilà, c'est parfait. Yes. Et bah franchement, ça nous fait une petite base secondaire bien sympatoche.
plus grande que la base principale d'ailleurs. On va pas se le cacher. Et là, on va retourner à la maison. À la vraie maison. Oh putain. Attends. Je m'équipe. Je préfère toujours m'équiper. Je me casse de là. Ah merde! Putain, j'ai faim. Ah, puis j'ai rien à bouffer, quoi. Sinon, je vais manger ça, mais ça va être cru, quoi. Parce que là, on avait du charbon à ramasser. On n'a pas le temps. C'est pas grave. On va tenter... Non. J'aurai pas le temps. Je vais manger ça comme ça. C'est pas grave. Voilà. On va vite remonter. Par contre, attends, je vais peut-être prendre juste... Voilà, ça. Putain, des fois, il me donne pas tout le temps de la viande, quoi. Voilà, lui. Et lui. Ouais, vous voyez, des fois, il donne rien. Je me casse, putain, ça attire les requins. Voilà. Yes. Bah vas-y, hein, fais péter. Hein. Voilà, hein. On va tout manger. Non, quoi que c'est bon. Fais péter un coffre. Hein. Voilà, impeccable. Yes. On va même en faire deux. Ouais, deux, c'est bien. C'est pas trop. Comme ça, ça, tac. Et là, franchement, on est en train de se mettre bien, là. Hein. Bon, je crois qu'il est l'heure de s'équiper. Mais cette fois-ci, comme il se doit. Voilà. Ça, c'est bon. Impeccable. Là, on va pouvoir descendre dans les profondeurs. On va faire cuire un peu de poisson avant d'y aller, tranquillement. Attends, c'est déjà cuit, ça? Ah oui, c'est déjà cuit. Attends, bouge pas. Je vais aller chercher un peu de poisson. Par contre, je comprends pas pourquoi il me donne pas tout le temps. Tu vois? Je comprends pas, franchement. Oh, putain, ça les attire. Ça les attire, ces machins, mon vieux. Tiens, toi. Vas-y, viens, attaque. Attaque. Tiens. Putain, il y a des dauphins. Ça se mange, le dauphin? Peut-être. Attends. Il y a quelque chose là-dedans? Bah non, il y a rien, mon vieux. Je comprends pas. Des fois, ça me donne des trucs, des fois, ça m'en donne pas. Ouh, par contre, du barracuda, ça doit pas être mauvais, ça. Aux petits oignons et tout, là. Je vais te mijoter ça, mon vieux. Mais on va se faire une de ces gamelles, je vous raconte même pas. Attends, ça, je sais pas si ça se mange, ce machin-là, là. Ça doit se manger, ça, oui. Voilà, ben oui, regarde ça. Regarde ça, ce qui tombe là. Ça, c'est du saumon, ça. Non? Et ça, mais ils donnent rien, les dauphins, là? Je me ferais bien une petite queue de dauphin, moi, mon vieux. Non? Ah, bah si, ça donne quelque chose. Yes, impeccable. Je prends, ça, c'est bon. Ouh, ça, par contre. Toi, mon vieux. Vas-y, ramène ta fraise un peu. Ramène-toi. Vas-y, viens! Crac! Headshot, mon vieux. Voilà. Yeah, petit. Ouh, lui par contre. Il doit pas être mauvais, lui. Il attaque. Crac, allez. Crac, au revoir. Voilà. Là, on se met bien, les gens, là. On se met super bien, là. Vas-y. Ça, je prends. Ça, je prends. Il est tombé où? Il est tombé, là. Bon, voyons voir. Je pense qu'on va se faire un sac rigoleton, les gens, là. Voilà, on va tout faire cuire. D'ailleurs, j'ai bien envie de refaire un four, là. Ah, je peux pas en faire un deuxième? Ah, merde, c'est con, ça. Voilà, impeccable, yes. Là, c'est bon. Là, on a à manger. On a tout ce qu'il faut. C'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est aller ramasser un petit peu de charbon pour en rapatrier dans l'autre base aussi. Attends, je vais voir s'il n'y a pas moyen qu'on se fasse, par contre, du nouvel équipement ou quoi. Non, toujours pas. Ouais, il nous faut de l'or et tout. Putain, des trucs bleus, par contre, j'en ai qu'un, quoi. Je sais même pas où je l'ai ramassé, ce truc de fou. On va aller ramasser un peu de charbon, les gens. Voilà, il y a du charbon, là. Yes. Oh, qui c'est qu'attaque? Qui c'est qu'attaque, là? Oh, putain, le salaud. Vas-y, viens, toi. Vas-y. Crac, allez. Ciao. Bye. Donne-moi ça. Vas-y, on va tenter de ramasser ça. J'ai deux extracteurs, moi? Ça m'étonne. Eh ben, vous savez quoi? Attendez, je vais poser... Voilà, on va poser ça là, comme ça, ce sera parfait. On va en ramasser un petit peu à côté, et on va se mettre bien. Putain, mais vas-y, casse-toi, toi. Tiens, voilà, ça c'est quoi? C'est un requin aussi. Il va attaquer, hein, il va attaquer, lui. C'est obligé. Allez. Merde. Voilà, shooté, c'est bon. Ah merde, putain, je suis en train de saigner, quoi. Vas-y, on va prendre un bandage. Voilà, nickel. Et puis on va manger un petit bout, hein. Voilà, hein, ça c'est pas mal. On va en manger deux comme ça. Impeccable, yes. Ça, je prends. Ok, nickel. On va à l'autre base. On est arrivé. Du coup, comme ça ici, on va stocker un peu de charbon au cas où. Voilà, ça, ça peut toujours servir, ça. On met ça là, par exemple, vous voyez. Ça nous fait une petite cuisine d'appoint ici aussi. C'est parfait. Là, on est organisé. On commence à bien s'organiser. Ici, je vais laisser ça. J'en ai pas besoin. Putain, ça part vite, hein, les trucs, hein. Faut déjà qu'on aille rechercher du copper, quoi. Est-ce qu'on le voit le copper sur la carte là? Oh! Là il y a du truc bleu là. On va peut-être aller chercher ça. Après je sais pas, hein. Ça c'est plus dans les profondeurs. Hein. On va tenter d'aller chercher du copper pas loin
S'il y en a, là, on se lance dans les profondeurs après. Hein. Je sais pas où on se lance après. Ouh, attendez. Là, il y a de l'or, je crois. Voilà, yes. Je pense qu'on va poser un extracteur là-dessus. Ce sera parfait. On va le mettre ici. C'est de l'or, ça, non? Ah non, c'est du copper. Par contre, ça, c'est de l'or. C'est sûr. Voilà. On va récupérer ça. Yes. Et du coup, les petites boules, en fait, ça sert vachement, ça. Hein. Il est où, mon couteau? Non, c'est pas vrai. J'ai pas emmené mon couteau, putain. Oh, mais quelle bille, quoi. Je vais ramasser un peu de copper, comme ça. Oh, c'est quoi, ça? Putain, casse-toi. C'est bon, on a assez de copper. Je pense qu'on va y aller. Putain, par contre, il y a les méduses qui me suivent. Il y a les méduses qui me suivent. On va tenter de remonter. Voilà, sans se faire niquer. Bien sûr, toujours. Voilà. Yes. Là, on s'est mis pas trop mal, franchement. Voilà, on va encore se faire masse. Masse de ça. Voilà, c'est parfait. Yes, bah là, on en a 57. Je peux te dire, on est refait. Hein. Niveau de la bouffe, on est refait. Tiens, je vais manger un bout de dauphin pour fêter ça. C'est pas mauvais, j'en avais jamais mangé, tiens. Voilà. 4 viandes de requin à faire cuire. Bah là, là, on est OP, là, après. Là, on est carrément OP pour descendre dans les profondeurs, après. Nickel. J'ai le harpon, il est chargé à mort. J'ai mon couteau. Il est où, mon couteau? Où est-ce qu'il est, mon couteau? Hein? Dis-moi pas que je l'ai laissé dans un coffre l'autre côté. Sérieux? Je vais aller voir. Vas-y, donne-moi ça. Je vais retourner voir à la base principale. Au passage, je récupère, bien sûr, le petit charbon là-dedans. Yes, c'est cool. Voilà, on est arrivé. Putain, attends, vite. Je me casse. Voilà, yes. Dis-moi pas, j'ai laissé mon couteau là-dedans, non? Où est-ce que je l'ai foutu? Ou alors, je l'ai mis dans un des coffres. Non, il est pas là non plus. Il est peut-être là. Ok, d'accord. Bon, bah, écoutez, j'ai perdu mon couteau. Ça se trouve, je l'ai effacé sans faire exprès. Il y a moyen. Oh, c'est pas grave, je vais en refaire un. Voilà, impeccable. Yes. Bon, les gens, on a relativement bien avancé. Je pense qu'on va se laisser là pour cette partie sur Far Skies. En tout cas, pour la prochaine fois, on perdra pas de temps. On perdra pas une minute. On est parti directement dans les profondeurs des abysses, aller attaquer tout ça. Et là, je pense que ça va commencer à causer. Et je suis en train de remarquer un truc là. Je me demande si j'ai pas posé mon overpower drill l'autre côté du coup. Parce que tout à l'heure, je me suis dit, ouais, j'avais deux drills. Mais en fait, c'est qu'il y en a un qui était plus puissant que l'autre, je pense. Non? Non, impossible, je peux pas le faire. Il faut 18 trucs bleus. Bon, sur ce, les gens, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Nous, on se retrouve bientôt pour la suite. Et ciao tout le monde, bye!